Alors aujourd'hui on est sur la Vienne. J'aime particulièrement ce secteur parce qu'on y trouve un petit peu de tout. On peut pêcher le chevesne en surface, le silure dans les fosses, le cendre dans des secteurs comme ça, les brochets sur les bordures. Donc il y a une diversité des poissons super intéressante, super passionnante pour quand on aime la pêche des carnassiers. Et là aujourd'hui on va essayer de faire bouger les poissons là où ils sont. Ouais, Nico, il connaît super bien la Vienne parce qu'on la pêche ensemble depuis, depuis qu'on se connaît quasiment. Donc moi, quand je viens sur la Vienne, je préfère venir avec lui parce que il sent bien les coups, il a toujours le petit truc qui fait la différence. Donc voilà, et c'est mon pote de pêche. Ouais. Bah maintenant, je vais passer au fond avec un tout petit leurre. C'est un petit peu le bazar. On dirait une chambre d'enfant mal rangée, mais... Mais bon, je vais prendre un petit truc comme ça, tu vois, qui plonge assez, ou peut-être un intermédiaire qui plonge un peu moins, style celui-là. C'est les deux mêmes, il y en a un qui a une longue bavette qui va plonger plus, et celui-ci qui va plonger un petit peu moins, voilà. Poisson. Poisson. Je sais pas ce que c'est. Petit broc. Ah, petit brochet. Petit brochet. Petit brochet. Petit brochet. Alors lui, il est vraiment petit. Mais bon, il m'a mis une belle touche. Ouh. Ouh. Ah bah voilà, ça c'est. Voilà. Et quand on dit que le bifreeze, c'est un bon leurre. Le bifreeze, c'est un bon leurre. C'est un très bon leurre, le bifreeze. Ah oh, bah il était piqué. Ouh. Vraiment, quoi de la gueule. On va le laisser grandir. Avec le soleil, là, c'est superbe. Taillé pour le camouflage. Allez, on va le remettre à l'eau, ce petit bébé. Et lui, il va repartir comme une balle. Allez. Vas-y. Ouh, salut, mon pote. Regarde les mulets. Regarde, il y en a partout. Regarde les vagues. Les vagues de mulets. Il y en a partout. Tous ces mulets là que l'on voit là, qui tournent là, qui sont passés là sur ce banc de sable, ça c'est vraiment la nourriture principale des silures pendant une grosse partie de l'année. Ils arrivent en mars, fin mars, début avril, et ils restent jusqu'à octobre à peu près sur la zone, avant de repartir vers la mer. Et ça c'est la nourriture de base du silure. Ils tapent dedans toute la saison. Je l'ai vu. Ouais. Wow, il est beau. Oh putain, je l'ai vu attaquer. Ah, c'est bon, il est piqué. Il est piqué. Wow. Yes. Excellent. Ah, j'ai vu en live. Ouais, moi aussi, je l'ai vu. Je l'ai vu sortir et prendre le leurre. Allez, joli. C'est pas énorme, mais... Ouais, il est sympa. Ouais. Waouh. Yes. Yes. Et ben voilà. Ouh. Putain! Ah, génial! Je l'ai vu sortir de l'herbier, il a ouvert la gueule, il m'a pris le bifreeze. Bon, c'est pas un monstre, mais il fait un bon 65. Et surtout pêche à vue, quoi. Voilà, c'est de la balle. De la balle. Ouais, super. Il m'a fait un gros méli-mélo, là, sur le seau. Joli brochet de Vienne. Ça, c'est. Quand ça veut bien le faire, des brochets comme ça, on peut en faire. Moi, j'ai fait des journées à 7-10 brochets sur des secteurs comme ça. C'est super sympa. Mais bon, ça, c'est pas un monstre, mais j'espère bien qu'on va toucher des poissons un peu plus gros. Alors, on va remettre délicatement à l'eau. Normalement, il va repartir bien parce que. Voilà, super, super.
un joli cendre à peu près de 2 kg là, juste en dessous du bateau, juste là, dans les pierres. Je lui fais passer un petit chat au-dessus de la tête et apparemment il ne veut rien savoir. C'est incroyable. Incroyable. Ça c'est un cendre qui à mon avis a bouffé toute la nuit. Il ne veut rien savoir. Incroyable. Il bouge pas. Il bouge pas. Allez. Il va le prendre. Non, non. Non. Oh là là là, je lui passe dessus, je lui passe sur la tête. Non, c'est pas possible. Prends-le, prends-le. Ah, il veut rien savoir. Hein. Il veut rien savoir du tout. Ah bah bah bah, il est parti. Ah, ça y est, c'est mort. C'est fini. Ce sont des poissons qui ne sont absolument pas prenables. Voilà. Donc, mais c'est sympa de le voir comme ça, de voir sa réaction par rapport au leurre. Là, on comprend que le poisson ne réagit pas au leurre, quoi. On peut faire ce qu'on veut. Le poisson, de toute façon, n'a pas l'intention d'attaquer. Bon, mais en tout cas, c'était très sympa. Poisson. C'est pas gros, mais il m'a mis une belle schistole. Va pas te décrocher, toi. Ah, il m'a mis une belle schistole. Hein ? Elle est bien piquée, c'est bon. Ah, c'est pas gros, mais c'est sympa. C'est sympa, il m'a mis une belle touche. Doucement, doucement. Ouais, ça fait plaisir parce que j'étais sûr que là, cette zone, elle était propice. On a touché le premier poisson ce matin sur cette zone. Il y a un gros tombant, il y a des jussies. Tout ce qu'il faut pour tenir du broc. Et à mon avis, il y a des gros pépères. Cool. Un beau, beau gros poisson plus tard, ça. Si on le laisse grandir. Et on va le laisser grandir. Quand on pêche des zones où il y a un peu de profondeur, c'est le cas ici, on a un banc de jussie, un tout petit plateau et une rupture de pente assez prononcée. Instinctivement, j'ai pris un leurre un peu plus plongeant. Ce V-joint là descend par rapport au bifreeze, va descendre à peu près d'un mètre de plus. Et si les poissons sont un peu plus sur la pente, ils vont aller chercher plus facilement le leurre parce qu'il va leur passer plus facilement à proximité de la bouche. Donc voilà, donc quand on est sur des zones comme ça où ça descend un petit peu plus, utilisez des leurres qui vont tendance à nager un petit peu plus profond. C'est la règle. Pour moi, c'est la Vienne, c'est vraiment la plus belle rivière du département. C'est magique, quoi. Quand on voit ça, c'est coucher de soleil sur la Vienne, c'est waouh. Moi, je rentre souvent tard quand je viens sur la Vienne, parce que c'est vraiment magique, quoi. C'est super.